Salut, salut! Hello! Donc, on se retrouve avec DJ pour faire un unboxing d'un calendrier de l'Avent qu'on n'a jamais vu encore sur YouTube. Non, je pense que c'est une grande première. Et on est très fiers de pouvoir vous le présenter d'ailleurs. Vu le prix, on s'est quand même mis à deux pour l'acheter. Oui. On a préféré en prendre que un et partager les produits comme on pouvait. J'ai sous les yeux, il est magnifique. Il est super beau. Mm-mm. Donc si vous voulez voir pourquoi j'ai cette tête-là, je vous remets quand même d'abord dans le petit. C'est DJ qui m'a maquillée. T'es très belle. Je suis magnifique. Ce calendrier, c'est... Tu m'aides parce qu'il est un peu lourd. Attends. Le calendrier du Papa Noël. Ça, franchement, c'est une exclusivité. Hein. Une exclusivité. Jamais vue sur YouTube jusqu'à maintenant. Mm. On est d'accord. On a attendu combien de temps avant de l'avoir? Oh, on l'a commandé, ça fait... Longtemps. Très longtemps. Mmh. On s'y est pris très tôt. Hein. Donc, on va ouvrir notre, une case, chacune notre tour. Il est très beau. Hein. Je vous le montre quand même d'un peu plus près, mais il est un peu lourd. Hein. Ça va? Attends. Oui, aide-moi. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez le petit Papa Noël avec des petits bonhommes de neige, le petit Rudolph, un elfe et tout. Magnifique. Magnifique. Vraiment complet. Donc, on va ouvrir les cases une par une, chacune notre tour, et on partagera... On va aussi faire d'ailleurs... Le crash test en direct au fur et à mesure. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, on va faire des swatchs, on va faire tout ce qu'il faut. Enfin, vas-y, alors je te laisse l'honneur à toi, aux invités d'abord. Hein. Alors. La case numéro 1. La case numéro 1, je la vois. Alors. On entend rien qu'au son. Ouais, on entend la qualité. La qualité du produit est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique. Je suis épatée. Attendez, il faut quand même que je vous montre. Est-ce que vous voyez bien? Une étoile. Une étoile. Elle est magnifique. Regarde ça, regarde les détails. Le détail, incroyable. Vas-y, je te laisse l'honneur. L'odeur. L'odeur, l'odeur est magnifique. Alors, on est désolé, on ne saura pas vous faire gagner des lots dans le concours. Parce que je pense que... S'il y a des produits que je n'utilise pas, je vous les mettrai quand même dans le concours de Noël. Je pense que je les ai utilisés, moi. Mais je pense que... Donc, la case numéro 2... Magnifique. Nous avons... Oh, c'est pas vrai. Une étoile. Mais c'est dingue. Oh là 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 là. Deux étoiles. Moi, celui-là, je le garde pour moi, ça te dérange pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu vas voir, le craquant est incroyable. Mmh. On est d'accord. Le fondant aussi. Il est parfait. Mmh. On est d'accord. Franchement, hein. Franchement. On a ouvert que deux cases, mais foncez si vous le voulez. Ah oui, oui, parce que je pense que ça va très vite partir. Mm. Alors, la case numéro 3. Suspense. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est une blague. L'étoile. Mais t'imagines si... Celle-là, tu la voulais vraiment. Hein. Non, mais attends. Celle-là... Oh, en plus, elle est un peu décentrée, comme ça. Unique. Unique en son genre. On est d'accord. Donc, on en est... La 3 est faite. La 1, 2, 3. Voilà. Donc la 4, c'est mon tour. On se demande vraiment ce qu'on va avoir. C'est une surprise totale. Celui-là m'intéresse un peu moins. C'est vrai? Ouais. Nous avons donc une étoile. Moi, je trouve que c'est bien parce que si t'as vraiment apprécié la première, la deuxième et la troisième, la quatrième ne peut être que bonne. Ben tiens, je t'en laisse. On doit partager de toute façon, donc... La case numéro 5. Ici. Ah, c'est un format mini. Tu crois? Ouais, ça se voit tout de suite. Ah oui. C'est dommage. Oui, c'est un format mini. On ne retrouve pas vraiment dans le commerce, mais bon. Mais c'est quand même une étoile. On peut quand même juger. Non, mais d'accord. On est là, c'est bon. Donc, la case numéro 6. Ah, elle est ici, je la vois. En tout cas, très grande qualité de packaging, il ne s'abîme pas. Nickel. Incroyable. Je pense qu'on pourra le réutiliser par après. Ah, déception, nous avons le premier goodies. Oh! Ouais, bon, il en fallait hein, quand même, vu le prix du calendrier, ils ne peuvent pas mettre que des trucs très chers. Mais nous avons quand même un goodies étoile. Mm-mm. Voilà. Ouais. Ça reste étoile. Voilà, les goodies, tu t'en fous, je vais garder. Mais c'est une valeur sûre quand même. Mm. Ok, on était à la 6. La 7. La 7. La 7. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh, je le voulais celui-là. Moi, je pense que c'est une édition limitée là. Je pense.
Mais bien sûr. Collector. Ça, c'est collector. Oh, ça, je vais me faire un plaisir de le déguster. Oh là là. Jamais on retrouvera ça. Non. Je pense que c'est impossible. Le jour 7 est exceptionnel. Après, évidemment, si vous voulez pas vous faire spoiler trop le calendrier, coupez maintenant, hein, parce que... Non, regardez plus. Alors, la case numéro 8. Je suis choquée. Bah, moi aussi. Franchement, je l'attendais. J'espérais tomber dessus, parce qu'on ne savait pas les cases à l'avance. Hein. J'espérais vraiment tomber dessus. Et c'est la fameuse étoile. Incroyable. Oh, t'as... la garde pour moi. Oh, bah, t'as raison. J'aurais fait pareil. Non, bah oui. Alors, on en est au 9. Ah, c'est le petit hibou. Vous voyez, à chaque fois que vous ouvrez, vous avez quand même le décor qui bouge. C'est bien fait, hein. Incroyable. C'est vraiment bien fait. Tout est en détail. Avec ce c'est vraiment exceptionnel. Là. Ça, on s'y attendait. Il en fallait un. Il en fallait un. Il en fallait un. Bah, c'est l'étoile. Bah, ouais. Bon. Ça répète un peu, mais... Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça reste dans le thème. Oui, dans le thème du calendrier. Oui, tout à fait. Exact. Donc, nous en sommes à la case numéro 9. C'est bien ça ou... Non, 10. J'ai fait la 9. On arrive déjà presque à la moitié. La 10, ici, c'est le petit sapin. Regardez, juste ici. Trop joli. Ah, ça te promet. Ok. Franchement. L'étoile. Elle est trop belle. Magnifique. Est-ce qu'elle aura le même goût? Je ne sais pas. Je vais la manger en deux fois, ça. Croquant. Croquant. Très croquant. Craquant, croquant. Et fondant à la fois. Un peu moins qualitatif que les deux, les précédentes. Ah ouais. Mais bonne étoile. Bon, tu ne peux pas avoir à chaque fois. Bah oui, bah oui. Il faut quand même varier et avoir un peu de goût. Voilà. La 11, qui est ici. C'est l'étoile. Mais elle est belle. Elle est magnifique. Celle-là, elle est très jolie. Elle est packaging de ouf. En relief. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais elle est en relief. Le packaging est ouf. Ah, c'est dingue. Voilà. Délicieuse. Donc, je vais attaquer la case numéro 12. J'espère que je vais pas encore tomber sur un goodies, parce que j'en ai un peu marre. Soyez moi qui les ai tous. Hein. Ah. C'est pas un goodies, mais c'est encore un format mini. Ah, ouais. Un format mini de l'étoile. Ah ouais, 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 bon. Bon, tiens. Tu ne m'en pas? Non, les formats mini, j'aime pas trop. Moi, je préfère les vrais. Pourtant, ça vaut le coup. Ouais. Ouais. Mais je te le dis, ça vaut le coup. Alors, on est au numéro 13. En général, cette case-là ne porte pas tellement chance. Oh, ça dépend. 13 décembre, c'est quand même un jour important. Ouais. C'est décembre. Oui, mais... C'est presque Noël. C'est presque Noël, ouais. Oh, bah tiens, bah voilà. Bah voilà, j'ai un autre goodies, moi. Fallait bien, hein. Bah, alors, vous, fallait, hein. Bon, voilà, c'est pas... C'est une étoile, quoi. Bon. Après, c'est une très jolie étoile, on est d'accord. Et puis, elle reste craquante. Ça reste de la continuité de la globalité du calendrier. Oui, c'est en concordance, hein. Jusqu'à maintenant, toutes les étoiles qu'on a reçues étaient en concordance avec le thème du calendrier. C'est vraiment bien, c'est vraiment très bien. Donc, le numéro 14. J'ai peur de me casser un ongle. Et là, nous avons donc le produit que je n'espérais pas avoir. Ah merde. Mais c'est rien, au pire, je peux te le donner, Laura, elle aimera peut-être bien. Peut-être. Parce que c'est l'étoile, ça m'intéresse pas trop. Ouais. Tiens, mais Laura devrait aimer. Je vais regarder pour Laura, celle-là. Parce que ouais, ça peut l'intéresser. Ça peut l'intéresser. Nous, peut-être un petit peu moins, étant adulte, mais pour les ados, ça peut être pas mal. Donc voilà, pour Laura, très bien. On en était où? Au 15. Ah, on est au 15. Le 15 décembre. Là, on commence à sentir... On est à 10 jours de Noël. Ouais, ouais, tu sens la cannelle, tu sens le... Ah, il est plus dur à retirer. Ah, mais il est plus lourd aussi, non? Bah, j'ai l'impression... Oh là, oui. Encore un beau packaging. Ah ouais, mais là, c'est une très jolie étoile. Elle est magnifique. Le packaging est canon. Oh là là, vraiment. Le goût est exceptionnel. Ça change de tous les autres. Hein. Ah, le 15, c'est vraiment bien. Rien que pour le 15, moi je pense que le calendrier vaut le coup. Peut-être. Pour l'instant. Moi j'ai hâte d'être au 25 quand même. Ouais. Ah. Alors, la case numéro 16.
Ouh, il fait de la résistance celui-là. Ouh, je suis contente. J'ai une étoile. Et franchement, celle-là, je la voulais vraiment aussi. Elle est vraiment belle, celle-là. Elle est magnifique. Elle a un petit quelque chose que les autres n'avaient pas jusqu'à maintenant. Elle donne envie, celle-là. Ouais. On va manger quand même. Ah, bah ouais. Alors, on est au numéro 17. Et là, on est sur la moufle du bonhomme de neige. Est-ce qu'il y aura quelque chose d'un peu exceptionnel parce qu'on est sur la moufle? Ah! Non. Ah, bah non. Ça reste l'étoile. Mais elle est quand même bien. Hein, la couleur de celle-là a l'air plus sympa que les autres. Ouais, elle brille, un peu plus, vous voyez. Mmh. Oh, regardez. Un petit côté holographique scintillant comme ça. Ah, effectivement. Ça change tout. Tu sens les paillettes. Tu sens les paillettes. Ça croupe sous la dent. Tout à fait. Donc, nous en sommes au 18. Hein. C'est bien ceci. On en est au 18. Je crois. Hein. Ouais, c'est ici. Ici, il y a un 18. Oh. Ah, ça, c'est un produit qui te conviendra à toi, mais pas à moi. C'est vrai? Ouais. Ah oui, exact. Ouais, tu vois, exact, parce oui, que je vois ce que tu veux dire. C'est une étoile. Ah oui, non. Et j'aime pas trop ces étoiles-là. Non, mais moi, j'aime. Oui, bah toi... Il n'y a pas de problème. En même temps, c'est le genre de produit que tu n'as pas chez toi régulièrement. Non. Donc, c'est normal que tu en aies besoin. Je ne connais pas du tout, mais contente de découvrir. Ouais, une belle découverte hein, jusqu'à maintenant. Exceptionnel. Alors, on en est au 19. Oh, on se rapproche de la fin déjà. Pourquoi on ne peut pas continuer à avoir des calendriers de l'Avent tous les mois? Ouais, bah ouais. Ce serait magnifique. Attention, attention. Oh, hey, elle est jolie elle aussi. Est belle. Vous avez remarqué quand même que c'est carré et étoile. Moi, je sais pas si vous avez vu le détail. Parce que si tu fais bien de le souligner. Parce qu'on l'a pas vu. Hein, mais... ouais, on n'avait pas fait attention jusqu'à maintenant. On n'a pas pensé à vous dire. Là, là. Elle en peut plus. Ah, moi, je suis heureuse. Hein. Moi, voilà. Je suis aux anges. C'était l'étoile absolument qu'elle voulait. Elle en peut plus. Elle est contente. Alors, nous en sommes donc 21. 20. J'ai fait 19. Ah, il est là. Il est là. Oh, il est vers le bas. Il est dans le bas. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que le calendrier se tient bien, hein, malgré l'ouverture de toutes les cases. Moi, je suis sûre qu'on pourra s'en servir. Certainement. Ah oui, oui, c'est sûr. Ouh. Tu vois que tu arrives tout près de Noël, que ça commence à devenir très intéressant. Voilà, avec une étoile. Là, je suis trop contente. Mais je sais que tu n'en as pas chez toi, donc je vais te la laisser. T'es trop gentille. Bah oui, je sais. Je la consomme tout de suite parce que l'excitation est là. Oui, c'est ça. Elle est tellement emballée de découvrir autant de produits différents là. J'en reviens pas. Allez hop, elle fonce sur la case numéro 21. Je suis tellement curieuse de savoir ce qu'il va y avoir dans cette case. La 21, oh là là. Mais là, on sent la qualité du produit. On le voit. Truc de fou. Et je dis, on approche vraiment de Noël, donc ça devient de plus en plus qualitatif. Ouais. Je suis d'accord. Et de plus en plus croquant, hein. Ça s'entend quand elle croque là, ça sent croque. Croque, ça fond bien dans la bouche. Un plaisir. Donc nous en sommes au 22, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Oh, c'est fini. C'est presque fini. Ah, mais il y a 25 cases quand même, t'as remarqué? Exact, ça s'arrête Il y a 25 cases. Hein. Ça, c'est important de savoir ça. Parce que c'est important. Mais il y a quand même des calendriers qui s'arrêtent au 24. Voilà. Normalement, c'est jusqu'au 24. Et là, c'est maintenant, il y en a de plus en plus qui font jusqu'au 25. Et celui-ci en fait partie. Exact. Et. Il y a de la jalousie dans l'air. C'est l'étoile. C'est pas vrai. T'as ta chance. Hein. Oui. Mais je vais. Bon, j'utiliserai quand même un peu plus tard. Voilà. Ouais, parce que. Exact, ça fait trop trop d'un coup, trop d'émotions. Il faut quand même... On ne peut pas tester tous les produits, il y en a quand même 25, on ne peut pas tester tous les produits en même temps. Hein. C'est pas possible. Alors, on est au 23. C'est bien ça. Le 23. Je n'ai pas ce produit-là. Regarde. Mais je te l'échange contre celui-là. Ouais, je pense que ça vaut le coup quand même. Hein, parce que celui-là est exceptionnel. Voilà. Celui-ci me plaît un peu plus. Ah, elle est heureuse. Oh là 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 là. Et n'empêche, on aura découvert des choses hein, depuis que tu viens faire des vidéos avec moi quand même. Hein. C'est quand même dingue. Un truc de fou. J'en apprends tous les jours. Allez. Alors, plus que deux. Le 24, donc là, nous serions. Nous sommes vraiment à la veille. Au réveillon. Donc il faut quand même quelque chose. C'est de la résistance. Hein. Qui pépite. Et là, je crois que vous n'êtes pas prêts.
Vous êtes absolument pas prêt. Mais quand je vois ça, je me demande ce qu'il va y avoir dans le 25. Et en plus, c'est toi qui as l'honneur d'ouvrir le 25. Oh, c'est pas possible. Alors, vous êtes pas prêt, mais dans la case numéro 24 se trouve une étoile. C'est dingue. C'est dingue. Alors là, je te jure, je me la mets de côté. Et je me ferai un plaisir de tester ça plus tard. Sérieusement, si vous trouvez ce calendrier, mais foncez, mais vraiment, parce que je pense qu'ils vont partir comme des petits pains. Hein. Après notre vidéo, laisse tomber, ils vont être en rupture de stock. C'est clair. 25. Moment fatidique. Oh. C'est la dernière. C'est le Saint Graal. Alors là, on s'y attendait pas du tout. C'est l'étoile. Oh. Oh, c'est... Rien pour le 25. Rien pour le 25, achetez-le. Oh, alors, on s'y attendait pas, parce qu'on s'est pas fait spoiler. Ah hein, non, bah non. Surtout que de toute façon, il n'y a pas de vidéo encore sur ce calendrier-là. C'est vraiment une exclue sur ma chaîne. Incroyable. Eh ben, franchement... Et bonus. Bonus. Vous avez des petites étiquettes à découper pour mettre sur vos cadeaux. Si ça, c'est pas merveilleux. Que demande le peuple. C'est un truc merveilleux. Il y a un renne, un bonhomme de neige, un elfe, le papa Noël, encore un bonhomme de neige. C'est magnifique. Il est splendide. Et il est bon jusqu'en 2022. Donc si vous n'avez pas envie, si vous voulez encore attendre un petit peu avant de le manger, parce que vous êtes trop excité comme nous, vous pouvez attendre. Donc résumons globalement ce calendrier. Exceptionnel. Incroyable. Il était un peu cher à l'achat. Ouais, mais bon. Quand tu vois tout ce qu'on a eu dedans, je pense que ça valait vraiment le coup. Ouais, parce qu'on a quand même eu une étoile. Ouais. Et puis aussi une autre étoile. Et l'étoile, celle-là. Et l'étoile numéro 24 et la 25. Pouh, la 25. Elle était incroyable, celle-là. Pouh, c'est toi qui l'as eue, mais voilà. Un souvenir inoubliable. Donc franchement, on vous conseille fortement de courir l'acheter tout de suite. Il n'y a pas de code promo, je suis désolée. On a essayé, hein, on a essayé on de contacter essayé, la marque et tout, mais ils savent très bien que le succès qu'il va avoir, pour eux, ça sert à rien d'avoir un code promo. Donc, voilà. Mais franchement, même avec son prix, il vaut largement le coup. Donc voilà, on vous conseille fortement de l'acheter. Hein. Je pense que tu es d'accord avec moi sur le coup-là. Foncez. Une pépite, ce calendrier. Fermé. Et comme je vous dis, c'est une exclue, donc si vous ne vouliez pas vous faire spoiler, tant pis. Voilà. Donc on espère que ce petit unboxing de calendrier de l'Avent vous aura plu, n'est-ce pas? Ouais, c'est clair, qu'il va plaire. Nous, on était enchantés de le faire, génial. En tout cas, on a vraiment... Moi, c'est le premier unboxing, en plus, que je fais sur ma chaîne. Mais moi aussi, j'ai jamais fait d'unboxing calendrier. Bah ouais, voilà, c'est une première. C'est génial. Et c'est la première fois qu'on voit ce calendrier, donc je vous rappelle, c'est celui du petit Papa Noël, quand même. Envoyé directement du Pôle Nord. Il a été gentil, Papa Noël. Ah, il a été exceptionnel. Il nous a vraiment bien gâtés. Ah, ouais. Et rien que pour les étoiles qui se trouvent dedans, foncez. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous. Ciao. D'ailleurs, j'ai les carreaux complètement dégueulasses encore. Ah, ça, je suis pas responsable. Comme d'hab. Donc. Moi, je serai de vous. Je calculerai combien d'étoiles j'ai mangé et combien d'étoiles Evelyne va manger. Juste pour voir. Juste pour voir. C'est vrai que sur la télé, c'est différent. Ouais. On va manger quand même. Ah bah ouais. Mais après, il faut arrêter. Donc voilà, pour le rat. Très bien. T'inquiète, tu pourras manger après.